faut se plaindre. C'est comme d'habitude, de toute façon. Faut toujours se plaindre dans ce jeu de merde. On va sous-deal par contre. Alors juste, on va faire ça. Nice-le ! Nice-le. Donc, je ne sais plus ce que je disais. Oui, alors mon passif... Alors, attendez. On est dans quelle instance? Ça s'appelle comment? On est dans une instance alliance, déjà. Oh, trop cool! Ok, ok, trop bien. Trop mignon! Oh, Greg! C'est la Carter Stone! Ok, ok, on est au taquet, on est au taquet, on est au taquet, ok. On est en mythique plus là, on est en plus 27, on est en train de push. Masse grip, ok. Je mets le bim, c'est bon, on y va. Oh, je peux apaiser, comment on fait? Oh, je peux l'endormir, oh, je peux. Oh, je peux faire trop de trucs, je suis désolé, mais du coup, je fais rien. Parce que j'y arrive plus, et puis j'ai rien bind surtout. Non, il faut pas trop m'en demander non plus, hein, quand même, calmez-vous. Je ne suis qu'un homme. Je ne suis qu'un homme. Ok, on va même pas apaiser, vous savez quoi, on s'en bat les steaks. On est des malades. Donc on est dans une instance humaine avec des pirates. Hein, ça me rappelle un truc, ça. This is a tale of Captain Tuxpaw. Oh là là, mais ça m'est super cher, en fait. Pouh. Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est normal, hein, on est tous à poil. Ah ouais, mec, tu prends tellement cher. Je t'aide. Oh, c'est un film de cul ce qu'il prend. Je le dispelle. Ah ouais, mais c'est parce que lui il dispelle pas, je pense. Je pense qu'il est pas très très bon, il dispelle. Ah bah non, ou alors c'est juste parce que c'est un prêtre. Et du coup qu'il ne peut pas dispelle le poison, voilà. Pourquoi je prends des bolts de l'enfer de... Oh, c'est trop beau. Ne serait-ce pas des... Merde, ça vient pas. Captain Jack Sparrow. Attends, c'est Captain Jack Sparrow qui est là, bordel. C'est vrai ça, c'est Captain Jack Sparrow là. Bon, alors le son est un peu infâme, dites-moi si c'est dégueu. Karine, elle me fera le retour... sur Skype, je pense. Oh putain, il va mourir, je te dispelle, mec, je te dispelle, je te les bump. Boum. Boum. Je suis vraiment un génie, bordel. Oh, mais t'es un malade aussi à avoir tout pool, mon gars sûr. Je te redispelle, mon gars sûr. Oh là là, oh là là, c'est la catastrophe. C'est pas moi. Ok, I'm real. Bon, en tout cas, c'est toujours aussi débile. Hein, les pick-up, c'est toujours de la merde. Pourquoi j'ai l'aggro? What the fuck? Putain, trop marrant. C'est n'importe quoi. Je comprends rien à ce qui se passe. On est en plus 27 là. On est en train de faire le pool de BRH. What the fuck? Pourquoi j'ai l'aggro en fait? Putain, le temps quoi! Oh merde! Ouais, il veut pas le venir? Mais il joue, mec! Et pourquoi ils veulent pas jouer? Ouais? Bon, bah, ok. Si vous voulez, on peut, ouais. Voilà. Pexing avec Xera prévu lors de la sortie. Squeezie, peut-être, peut-être pas, je sais pas. Pourquoi ne pas tag en tank? Voilà pourquoi. Parce que déjà, un main tank, je pense qu'il est dans la merde. Bon, après, lui, je pense qu'il est. Je sais pas. Et qu'il est beau quand il joue à l'alpha.
Oh putain, ok, donc on peut trouver de l'azérite directement sur les mobs des donjons. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est qui nous lance les bolts. Mais c'est très très déstabilisant. Alors, les boss ils sont où? Ok, donc on va avoir Karl qui va arriver là bientôt. On va essayer de lire un petit peu le donjon, le codex, ok. Plutôt que de pull des mobs comme ça en étant un ignare. On va essayer d'être plus fort que eux, tout simplement. J'espère qu'ils vont rajouter un sort sur le nouveau collier Boki, c'est très possible, ouais. Donc Julorine qui est là, coucou encore à toi. C'est moche, je viens d'avoir mon premier level 110 et je me fais chier à la montée. Comment ça, Vicious? Alors du coup, comment on sait qu'on a l'accès? Akira, il faut que tu reload le launcher, tout simplement. Il faut tout simplement reload le launcher et voilà. Donc on a un DH avec nous. Je vais vous mettre les couleurs de classe, regarde. Voilà, donc là vous pouvez le voir qu'on joue avec deux prêtres, un prêtril et un shadow, et puis évidemment un moon kid, un DH et un druid tank. Ah merde, il va pop au milieu, ouais, je pense. Nice. Donc c'est vraiment la Carterstone, hein. C'est vraiment le meuf de la Carterstone, c'est rigolo. Le Captain Krag, si vous connaissez un petit peu, c'est un capi, enfin c'est un mob qui coûte 7, qui est une 4-3 ou une 4-9 et je crois qu'il coûte moins cher quand des pirates, il y a des pirates. Voilà, charge avec ce mot-là. Jonah, putain, j'ai vu 4h30 sur ton jeu, je me suis dit que je suis en retard pour le boulot. Alors oui, évidemment, c'est les horaires US. Ne t'en fais pas. Oh. Ah d'accord, il descend. Très bien. Ah d'accord, donc c'est lui en fait qui nous lance ses merdes. Je crois, attendez, ouais c'est ça. Et donc depuis tout à l'heure c'est lui, donc dès qu'on le bute il n'y a plus ça. Donc déjà, alors moi évidemment, je vais pas vous mentir, je vous avoue que quand je fais un fight, et quand je fais en fight un NM, hein, même si je sais qu'en mythique il rajoute hein, des trucs et tout. Oh, 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 oh. Oh, c'est juste un heal. Ah d'accord, c'est juste un heal, mais un heal pourquoi? Il doit y avoir une chose. Alors on escale à 835 level d'ailleurs, si ça vous intéresse de le savoir. Donc 835, sachant que j'ai combien sur le live là actuellement? 900... Ah oui. clairement c'est déconné. Ils ont refait le spell de la colère ou pas? Parce que c'est assez joli. Ah, me dites pas qu'on peut avoir cette monture, parce que c'est la plus belle monture du jeu si on peut avoir un perroquet. Hein. Pas monter sur lui là. Ok. Alors forcément du coup, comme je vous disais, moi quand j'entame une rencontre comme ça, une nouvelle rencontre, bah voilà comme ça, la première chose qui me vient en tête maintenant surtout hein, c'est comment ça va être en mythique plus 15 20 57, enfin vous voyez ce que je veux dire. Et clairement hein, clairement c'est directement à ça que je pense. Alors par contre c'est vraiment beau, je crois qu'on peut dire que c'est vraiment beau. C'est assez simple par contre, mais ça fait vraiment pirate, ça fait vraiment repère, repère dans les canyons et tout, genre c'est vraiment sympa, c'est vraiment sympa. Bon après le pexing comme vous voyez, hein, des gens qui me disaient quoi, il y a déjà des mecs 104 et tout, ça va quand même relativement vite, hein, ça fait une demi-heure que je suis là, voilà tranquillement. Donc ouais, on pourra transposer nos armes en armes prodigieuses, oui Oko, d'ailleurs bah attendez, vous voulez que je vous montre, regardez. Mais oui, c'est ça qu'il fallait que je teste. Oh là là, Oko, la bonne idée. La bonne idée du Oko. Oh, me dites pas qu'il y a une musique qui tourne depuis tout à l'heure. Merde. Mais y'a un problème. Pourquoi la musique continue, bordel? C'est quoi qui fait de la musique, bordel? Non mais attendez, je suis paniqué là.
Oh putain, vous trouvez pas que ça fait du bien quand même? Oh merde. Attends, je te rase. Ouais, il y avait un bug de loop musique, je crois. Est-ce qu'il y a accès aux Andalari et sombre fer dans l'alpha? Pas encore, Torgrom, ça va arriver, je pense. L'alpha de Légion était sorti à quelle date? Oh là là. L'alpha de Légion, elle a duré presque un an. Oh, il y a des rats et tout. Oh, mais attendez! Il y a des rats combattants! C'est trop stylé! Non mais, en fait, moi ce qui me fait flipper quand je vois une instance comme ça, vous l'imaginez déjà en Mythique 0 ou pas là? En Mythique Plus, pardon. Mythique Plus tryhard et tout. Vous imaginez là les deltaplanes? Miaou! Jusqu'à la fin de l'instance et tout, en mode. Voilà, la botte fusée et tout. Pouh! Sky Step jusqu'aux couilles! Non mais. Ah, voilà quoi! Non, j'imagine déjà trop les glitchs là! J'imagine déjà full glitch! Ça c'est ça recommence. Ah, oh, c'est magnifique, c'est comme ça que je voulais jouer. Parfait. Alors ça c'est très probablement d'ailleurs c'est très probablement un des plus gros défauts d'ailleurs que je peux faire à comment s'appelle. C'est probablement des plus gros défauts que je peux faire un petit peu à au fait d'avoir trop joué à WoW. C'est que je vous avoue aujourd'hui, quand je joue à un jeu, et que ce soit l'alpha du prochain WoW ou pas, on va pas se mentir, j'ai ce côté tryhard direct. J'ai du mal aujourd'hui à jouer à un jeu en mode « Oh, je joue à un jeu !»« LOL !» Vous voyez, il y a ce côté « Je dois savoir si ce que je fais est rentable, si ce que je fais est opti, je sais pas si ça vous le fait à vous. » c'est un truc que dont je parle pas tout le temps, enfin bonjour je parle pas parce que c'est personnel, ouais, mais je sais pas si vous, alors à cause de vous, d'autres jeux, peut-être c'est à cause d'autres jeux, vous pouvez plus jouer de la même façon, vous voyez, genre, mais je pense que vous comprenez très bien ce que je sous-entends par plus jouer de la même façon. Vraiment, tu te sens trop tryharder, tu te sens trop ci, trop ça. Et t'as plus envie de jouer juste pour jouer quoi, t'as envie de jouer mais que ce soit rentable les touches sur lesquelles t'appuies. Et ça je vais vous dire, mais même dans des jeux comme, mais ça m'arrive tout le temps du coup, dans des jeux comme Borderlands, machin, trucmuche, des jeux où je tryhard mes morts en fait, à optimiser les moves et tout. Alors que mes potes à côté quand ils sont, quand on est en soirée, ils me disent non mais putain ta gueule, hein, ta gueule, non vraiment ta gueule. Ils me disent vraiment ça parce que je suis là, moi je joue jamais. Moi je joue jamais, vous voyez. Ah, moi je suis le mec qui joue jamais, mais qui sait toujours mieux jouer que les autres. Alors ça c'est la base, hein. Ça c'est la base. Donc et je suis tout le temps là. Vous pensez pas que si on faisait ça, ça améliorerait le truc, on pourrait pas enchaîner et tout. Et en fait c'est, d'ailleurs c'est à partir de ce genre de commentaires qu'on s'est mis à tryharder, genre notamment Nazi Zombie, donc le mode de Call of Duty qui est vraiment cool. Et oh le porcupette, tu... oh mais il est trop mignon. Mais salut porcupette! Tiens, je te pète à la gueule. Boum! T'es mort. Vous entendez la petite musique pirate là? Bon. Je viens de faire un Warhammer pour venir vous me dire quand est-ce que je débloquerai les deux armes de main. C'est que des armes une main. Enfin, que des armes de main, une arme de main. Ouais bon, apparemment il fallait juste le sauver. Vous savez à quoi elle me fait penser cette instance? Elle me fait penser à une attraction Disneyland. Voilà. Eh oui, alors, donc on m'avait posé la question, qu'est-ce que je mainais, etc. Alors il faut savoir que quand j'étais, j'ai commencé WoW, donc un peu au début du jeu. Pas tout à fait au début, mais presque. Et donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé d'abord « Isn't the boss done there? Council of Captain is over or there too? » Ah oui, c'est là, exact, ils ont raison. Et donc j'ai commencé avec un druide, ok. J'ai commencé avec un druide, un druidile. Hein, mais oui, parce que bon, ça va peut-être, voilà, il y en a qui l'entendent souvent maintenant, mais moi j'ai commencé en tant que healer, ok. Et j'ai d'ailleurs
au moins jouer 50-50 de ma vie sur WoW en tant que healer. C'est-à-dire que, alors, à l'heure où on se parle, là, peut-être qu'aujourd'hui, j'ai plus joué DPS en termes de temps que healer. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai joué healer très longtemps. J'ai joué healer Vanilla, BC, TLK, TLK. J'ai joué 3 extensions. Alors oui, on est à la 8.0, donc maintenant, clairement, j'ai plus DPS que healer. Mais voilà, j'ai fait mes faits d'armes. Enfin, j'ai découvert World of Warcraft en tant que healer, en tant que druidheal, hein. Vous savez, spamrétable là. spamrétable à Vanilla, exactement. Donc, j'ai joué druidheal. Après, j'ai commencé à reroll paladin, hein. Paladin de la Horde, quand ça a été évidemment disponible. Donc, paladin. Wow! Pardon. Paladin de la Horde. C'est boss ça? Captain Raoul. Le mec est aggro, mais genre comme ça, tranquillement. Ah. Oh putain! Oh putain, ok! Oh putain, ça! Wow, ça fracasse! Trop stylé! Oh, ce spell de ouf! Regardez, regardez. Ok, bon, je crois qu'il va falloir lire le codex, hein. Il va falloir lire le codex, putain. Wow, tellement stylé! Oh, déjà le skin. Nanana, 150% random ennemi, ok, 150%, donc ça il faut juste survivre. Et ça il faut tourner, ok. Lui on l'a pas vu lui. Lucky Seven, c'est quoi ça? Captain Jolly, roll, is suspicious content dice. Nerby allié, ah, fait chier ça. Ah, mais ça c'est pour nous ça non? Ah non, c'est peut-être pas pour nous. Donc voilà, donc j'ai commencé ça, ensuite paladingue, paladingue. Et tout ça côté Horde. Hein. Donc je suis resté dans. J'ai fait une guilde en 2 extensions à cette époque. Et à la fin de. À la fin de TLK. C'était à la fin ou au milieu. Ou au début TLK. Je crois que c'était au début TLK. Au milieu TLK, pardon. Je suis passé côté Ali. D'ailleurs, parce que ça aussi c'est un truc que les gens savent souvent pas trop. Je suis passé côté Ali. Ouais, c'est ça, c'est un pote à nous lui. Donc lui il est censé nous donner de la hâte. En fait. Donc ce qui va se passer c'est que voilà, là, power shot. Voilà, sur le tank, et c'est là. Et c'est là, où il faut faire gaffe. Voilà, nice ça. Putain, tellement stylé. Oh, je suis tombé sur un groupe. Je suis tombé sur un groupe, les amis. Pas piquer les hannetons, hein. Vraiment. Non, c'est vrai. Oh! Un barrel de poudre! Faites péter la sauce! Merde. Ok, là il va leap. Il va leap, il va leap. Regardez, dans 3, 2, 1. Il va leap juste après ça, regardez. Oh, je suis trop fort! Je suis vraiment trop fort! Tout ça, à l'instant. Bon, alors j'étais pas. Oui, c'est vrai que si j'avais fait un décompte, ça aurait pas été bon. Mais tout ça à l'instant. Alors ça d'ailleurs, l'instinct, ça marche en PVP surtout, hein, savoir ce qu'un mec va claquer et tout, à quel moment. Ça marche en PVP, mais, là où c'est vraiment très très fort. D'ailleurs, il est où notre hâte là? Elle est où notre hâte? Parce que c'est vraiment un pote à nous du coup lui, hein. Regardez. Nanana, all damage increase. Nanana. Ah mais c'est un joueur qui a ça, d'accord, donc ça en mythique plus, si on le tue pas, le joueur il a dans le huc. Salut! Ah! Oh, mais je peux pas! Je peux pas, désolé, dude! Non, on peut pas! Mais voilà. Bref, donc. Oh, c'est un français! C'est des français! Comment ça, c'est des français? Trop bien! Ok. En plus, si on. Oh! On peut avoir un vrai chapeau de pirate, oh là là! Oh là là! Ok. Je sais pas ce qu'on doit faire. Ok, qu'est-ce qu'on fait là? Soit on repasse par en haut. Soit on va là. C'est comme on veut en fait. Soit on peut aller là. Soit on peut aller là. Ok. Bon, pour continuer. Donc ouais, je suis allé côté Ali.
C'est à cette occasion que j'ai rejoint une guilde du nom de Sense, qui évolue encore. Et avec laquelle, pareil, je suis resté 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Et puis est arrivé. Donc là, à ce moment-là, je jouais toujours mon paladin. Je jouais toujours mon paladin. Qui était. Faut savoir qu'à l'époque, moi, les rerolls, c'était niet. Bon, de toute façon, déjà, parce que les rerolls, à l'époque où dont je vous parle, c'est BC, TLK, les rerolls, c'est genre. Tranquille, quoi. Tranquille! Tranquille, même, comme on dit. Donc, vraiment tranquille. Et puis après quoi? Puis après, je sais plus, hein. Après, je crois que j'ai. C'est pas le moment où j'ai arrêté. Parce que TLK, je l'ai fait avec Sense. Après, je sais que de toute façon, le TLK, ça a été une mauvaise extension pour moi. Dans le sens où je me suis pas amusé. J'ai pas trouvé chaussures à mon pied. J'étais pas, voilà. Mais c'est l'extension où j'ai commencé à vraiment rentrer dans le PVP et à devenir plutôt correct. Correct, hein, pas bon. Je viens d'arriver, il se passe quoi, les Yok? On est sur l'alpha de notre jeu préféré à tous. De notre drogue à tous. Voilà. Nous sommes en train de prier tous ensemble pour le dieu World of Warcraft. Alors, j'ai perdu ma souris. Voilà. Voilà pourquoi le track. J'ai plus de souris en fait sur le jeu. Ça bug. Ouais, en fait, le curseur de la souris est mort. Mais comment ça? Je peux plus jouer là. Ah, voilà. Merde, putain, pourquoi je suis resté. Mais. Oh, je peux plus cliquer sur release en plus. On va reload. Ok, et donc. Ouais, donc TLK c'était pas ouf, je jouais toujours mon pal, mais quand ils ont annoncé l'arrivée des Oppo et tout, j'étais en mode ouais c'est de la merde. Entre temps j'avais roll un petit peu DK, je jouais un petit peu DK. Et puis Kata est sorti. Et en fait j'ai ma seule pause sur le jeu. Oh! Les Tortoran! Les Torturan, les. Bref, les trucs de Hearthstone aussi. Vous avez vu? C'est des tortues. Ok, I'm reloaded! C'est un problème de ouf. Faut faire quoi là? Faut attraper le porc? Mais je peux pas l'attraper, j'ai pas de souris! Ouais, c'est ça, c'est là, c'est quand tu dois attraper le porc, c'est comme dans American Pie. Oh là là. Ono va encore nous sortir des poules d'enfer. Et si, ouais. Alors, Mouft, yop yop, salut à toi. Alors, j'ai exactement le même trip que toi, de tout au petit et tout. Ah là, ça va, je suis pas tout seul du coup, c'est cool. Oh merde! Merde, oh non. Ok, petite tortue. C'est un boss ça? Non, pas du tout. Ça a l'air, mais pas du tout en vrai. Shell bound, ok. Ça paraît être une sorte de mini-boss comme il peut y avoir dans Vault of the Warden ou quoi. Et mine de rien, un mini-boss qui a l'air de vite dégénérer. Alors la question c'est de savoir est-ce que finalement ne pas se mettre là ne suffit pas? Non, parce qu'au final on break toutes les mécaniques en se mettant là. Aïe! Aïe aïe aïe, la PXPlex bug déjà sur l'alpha, c'est terrible. C'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Ça fait très bizarre de voir si peu de dégâts et de HP à si petit level. Est-ce que vous pensez que full stab FBRFA, il y aurait une grande différence? Oui. Alors souvent ce que j'explique, c'est que à mes yeux, à la fin de BFA, on retrouvera probablement les dégâts du début de Légion.
Freehawks. Voilà. C'est souvent comme ça que ça se passe. J'optimise aussi à mort. Alors mon cher Lapi, coupe cette musique de ses morts. Eh, tu vois, on n'était pas chiant. Alors à cause de HS, HETS, j'ai bind W pour la moon, c'est tout. W, alors moi, le bind W sur ma monture, c'est probablement mon premier bind ever. Voilà, me demandez pas pourquoi, c'est un bind qui m'a toujours suivi, c'est peut-être mon premier bind. Moi j'ai commencé à jouer, bah, quand je jouais healer, faut savoir que moi j'étais un énorme mouse clicker de ses morts. Hein. Ah, c'est quoi ça? Ah mais c'est un boss! Pourquoi y'a... Oh mais attendez, on va break les mécaniques. Attendez, j'ai break les mécaniques du boss. Ah ça y est, c'est terminé, le boss peut plus rien faire. Ouais, donc comme je disais... Oh putain, mais le mec envoie des requins vraiment en fait. Il envoie vraiment... Ah mais il se bat avec des requins. Mais pourquoi il se bat avec des requins le type? Non mais attendez, moi je vais appeler direct Brigitte Bardot, what the fuck. C'est un scandale. Brigitte Sharktos. 5000 de dégâts à tous les ennemis à 8 mètres. Putain mais 5000, ça fait super mal. Réarme, charge Nerby Shark, inflige 10000 points de dégâts. 21 in the way. Voilà, vous voyez, c'est rigolo parce que il y a vraiment que comment dire? La musique est épique par contre. J'avais déjà vu que la musique était ouf. C'est quoi ça? Y'a des trucs trop bizarres. On peut pas les tuer ça là juste pour le fun, sans déconner? Regarde comme c'est chelou quand même. Ça mérite un kill ça, non? Franchement, ça mérite un kill mec. C'est quand même vraiment chelou qu'il y ait ça comme ça là au milieu de tout. Moi j'avais envie de le... Y'a que moi pour aller chercher des trucs comme ça. Ah, on s'est fait one shot, putain. Oh mon dieu. Oh j'en pleure. Sa technique c'est un nanar qui s'assume où tu as des requins tueurs qui a pas... C'est vrai ça? Mais c'est énorme. C'est vraiment énorme. Ok, alors, et du coup, pour parler un petit peu de, ouais, donc, là, du coup, je regarde les spells, et je me dis, mais attendez, vous imaginez ça en mythique plus, genre, quand ce sera des chiffres de level 120 et tout, ça va être insane, hein, parce que déjà, là, le shark, quand il me l'envoie, c'est midlife, hein, la charge, si je la prends, c'est one shot, hein, en NM, les potes, hein. Alors, on est moins stuff que ce qu'on devrait être pour le NM. Mais bon, quand même. Ça fait un peu flipper. Et celui qui gagne et qui est non-sub, Jacker, je lui offre son sub. De quoi? Rage quit avant le down de la part du tank. De quoi? Vous parliez de quel boss? Je peux savoir de quel boss on parlait? Vous avez fait des paris sur quoi? Ah oui, le boss où ça tourbillonnait, ok. Ouais, la pique qui joue son kick emetteur. Oh, c'est très mal me connaître ça, de dire ça. Ouais, apparemment le mob là qui nous a one shot, c'est 88k d'overkill. Regardez nos PV et posez-vous la question. 88k, y a pas un problème. Y a pas un problème. Et donc, juste pour terminer un petit peu là où on en était, au niveau des explications. Qu'on m'avait demandé. Bon, vu que je parle pas souvent de ma vie passée, autant le faire maintenant. À cette heure-là et tout, c'est cool. Alors, qu'est-ce que... Voilà, ouais. Donc, j'ai arrêté une seule fois le jeu. Ok, c'était après Cataclysme. Enfin, juste avant le Cataclysme, à la sortie du pré-patch Kata. Pourquoi? Parce que non seulement Kata me plaisait pas beaucoup,
J'avais énormément de soucis. Vous savez, moi j'ai commencé à travailler assez tôt pour aider ma maman et pour m'aider moi-même. Voilà. J'ai commencé à bosser assez tôt et le problème c'est que, bah, on le sait, WoW, c'est WoW. On va pas rentrer dans les détails. Donc j'ai dû faire une pause un petit peu obligatoire et puis en même temps, voilà, je commençais un petit peu à me reprendre, hein, finalement, à me reprendre en main. Hein, je commençais vraiment à avoir des plans d'avenir, etc. Et pour ceci, il fallait arrêter WoW. Ce que j'ai fait, non sans mal. Mais en vrai, ça me faisait chier parce que je trouvais que PAL s'était devenu à chier. Donc, tranquillement, j'arrête WoW. Et arrive une personne qui, je pense pas, imagine à quel point ce qu'elle a fait pour moi, bah, je l'ai vécu comme vraiment un truc énorme, quoi, un cadeau énorme. Et que encore aujourd'hui, je suis pas redevable, mais c'est. Je suis. Enfin, je le suis redevable, mais vous voyez, pas de la façon où je lui dois quelque chose, quoi, mais juste, c'est cool, quoi. Et voilà, cette personne, elle est venue, elle a dit, elle me connaissait un petit peu, elle connaissait mon nom, mon prénom et tout. Et est arrivée, m'a dit, non, mais t'es un débile et tout, parce qu'en fait, je pouvais plus payer mon abo, je pouvais plus. Voilà, c'était vraiment compliqué, hein. Je pouvais pas acheter le jeu, je pouvais pas. Bref, c'était compliqué. Voilà, on va pas rentrer dans les détails. Et cette personne, elle est arrivée avec. Donc j'avais plus mon compte. Et elle arrivait avec. Elle arrivait avec un compte vierge à mon nom, avec la nouvelle extension, etc. Elle m'a dit, tiens, amuse-toi. Bon, évidemment, suite à ça, j'ai perdu mon travail, ma femme, mes enfants. La DAS sont venus me prendre, me récupérer mes enfants. Depuis, je ne les ai toujours pas revus. Et je suis replongé dans WoW, tel, eh bien, un énorme drogué de ce jeu. Voilà, tel fut cette histoire. Et du coup, c'est à partir de là où j'ai décidé que ça allait être une nouvelle façon pour moi de jouer à WoW. Et j'allais jouer DPS. Voilà. Et c'est donc cataclysme pour moi, l'ouverture du DPS. Alors, pas trop non plus, parce que typiquement, en PVP, j'ai toujours été healer. Hein, même là, encore après. Vous voyez? Oh putain, mais ça a l'air gavé chaud, hein, en vrai! Là, je parle et tout, mais ça a l'air tellement tendu! Ça, pareil, hein, ça va être un boss, on va se faire éclater, hein! Parce que ça là, les traits là, en mythique 50, ça one shot, hein, c'est adieu! Ah bah, ça, c'est adieu, hein! Adieu la France, hein, là! Oh putain! Un kamikaze! C'est des kamikazes! Trop marrant, sans déconner, je sais pas ce qu'il fout. Ah, mais il se barre! Mais qui. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ça y est, on a terminé, j'ai l'impression. Bah, c'était sympa! Non? Franchement. Écoutez, franchement, l'instance, moi, je la trouve méga classe, hein. Bon, il va y avoir plein de bugs, hein, c'est sûr. De toute façon, toutes les instances, regardez. Voilà. Déjà, ça pue le bug, hein. Alors, Blizzard, si vous m'entendez, allô, allô, faut fixe, hein. Parce qu'un boss où tu peux monter sur une estrade, c'est mort, hein. Ça y est, c'est bugué, hein. Là, je faisais tout le boss ici et c'était sûr que je prenais aucune habilité. Hein. Bon, je vous dis ça, je vous dis rien. Mais ça, c'est la base. Hein. C'est la base. Pareil, hein, pouvoir monter là-dedans et tout. Non, 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 non. Évitez ça. Hein. Non, vraiment, tout ça là, c'est une mauvaise idée. Ah, vous voulez un fouineur? Vous voulez un chieur qui monte partout? Oh, si vous voulez, hein, je peux l'être pour vous. Hein. Parce que moi, j'ai l'habitude. Hein. j'ai l'habitude. Hein. Moi, je monte sur tout ce qui bouge. Hein. Et je peux vous le dire, je monte plus vite que mon ombre, hein, d'ailleurs. alors, Elapi, tu n'as pas le buff Druid comme le buff du prêtre qui se met sur tout le groupe. C'est une très bonne question, ça, mon ami. Pas du tout. Bon, du coup, je me balade. Ah, oh, ouais, ça, c'est une bonne idée. C'est une très bonne idée qu'il a eue. Bon, du coup, on va se balader un petit peu histoire de découvrir ça. On dirait une attraction de Disney, hein, je vous jure. Bref, donc, pour reprendre un petit peu aussi l'histoire qu'on était en train de prendre. Oui, je prends aussi les histoires. Donc, et j'ai commencé à jouer Shaman. C'est comme ça que j'ai joué DPS, Shaman. Mais ce qui s'est passé en fait par rapport à ça, c'est que je pouvais pas totalement arrêter le heal. Donc en gros, en PvP je continue à heal, mais en PvE j'étais DPS. C'est d'ailleurs à cet endroit, c'est d'ailleurs à ce moment-là, parce que comme je reprenais le jeu, j'avais pas de guilde, rien du tout. Ce que j'ai fait, c'est que je suis allé dans cette guilde, dans la guilde de cet ami voilà, qui m'a remis en selle un petit peu et tout. Et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup PVP. Hein. J'ai fait que ça.
J'ai fini par passer Glad. Un petit peu. J'ai fini par passer Glad. Et puis. Alors lui, je sais pas pourquoi. On peut l'attaquer. Ça, c'est marrant. On l'attaque, il devient gentil. Le sadomaso. Oh oui! Oh oui, Pénélope! Frappe-moi! Josette! Mets-moi des coups! Ok. Et donc j'ai reroll Shaman LM. Bon, ça a été une période difficile et sombre de mon existence sur WoW parce que Shaman...